Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la course de Beaurepaire. Et là je me retrouve tout seul en contre et c'est parti pour 30 km d'effort jusqu'à la ligne d'arrivée. Bon, si vous avez suivi les vlogs ou sur Instagram, vous savez que le cycliste belge Alexandre Marlier m'a rejoint à Nantes pour participer aux compétitions avec moi. Ça va être une semaine de folie, on va faire 4 courses en une semaine seulement, donc ça va être vraiment lourd. On a fait des très très bons résultats, donc je vous invite à regarder toutes les vidéos. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas et maintenant je vous laisse avec la course de Beaurepaire. Une pleine heure, top 10 ça serait cool. Top 10 allez. Mais j'ai pas couru depuis 3 semaines donc je sais pas du tout le niveau que j'ai. En fait, on est tous les deux, toi, parce que c'est pas ton pays, moi j'ai pas couru depuis longtemps. Ouais. Donc on est tous les deux dans le flou finalement et on va aller au pif en fait. Je fais du vélo pour manger. La position du cycliste avant d'aller en course. C'est ça, pour bien faire descendre ce qu'il faut faire descendre. Je sais, en fait, j'y connais rien pour faire ça. En vrai, ça me permet aussi de m'étirer les tendons qui sont là. J'ai tendance à avoir des douleurs, surtout à droite. Et depuis que je fais ça, j'ai beaucoup moins mal après pendant la course. C'est pour travailler sa souplesse parce qu'il est pas très souple, le garçon. Ah ça, c'est vraiment pas mon point fort. Tu réfléchis à quelle place sur le podium tu vas prendre? La première. On est arrivé bientôt... Ah, ça sent la vache ici. Oh putain, ouais, ça pue la merde. Oui. On est arrivé à Beaurepaire, les amis. C'est bon, je peux y aller, Jean-Michel. Merci, Jean-Michel. Quentin Ruel, Pipi Cycling. Oh ma chérie. Non, moi je bouge plus là. Il s'économise. Je m'économise et après je prends l'échappée, je prends le maillot vert. Le classement par points, il y a de l'argent. Mmh. Et comme ça, avec ça, je paye les pizzas au soir. Ah, il vient de dire qu'au micro que tout à l'heure il y aura le champion d'Europe junior au départ. Sacré, il y a 15 jours donc c'est tout récent. Ouais, donc il est encore au pic 2. Il est bien, ouais. T'inquiète. Wow. 55. 55. Ah, Quentin Ruel. C'est ça. T'es fort en junior maintenant. Ouais, ça allait. C'est trop triste de parler au passé. Alors, t'as intérêt à lui faire démentir que. Merci beaucoup. Bonne course. Bon les gars, c'est parti, départ dans une heure, je pars m'échauffer, repérer le circuit parce que le recircuit a changé finalement. C'est pas du tout celui qu'on a analysé tout à l'heure. Le circuit c'est plus du tout le même, il n'y a que la ligne d'arrivée qui est la même. Donc on va découvrir ça ensemble. Et puis Alexandre lui il est resté à la voiture parce qu'il a l'habitude de s'échauffer très peu. En général il fait que 15 minutes de vélo alors que moi je suis plutôt sur une demi-heure, trois quarts d'heure. Donc voilà, on est tous différents, donc chacun fait à sa façon. Donc là on s'est séparés, je roule et lui il se repose. Et du coup avant il y a la course des minimes. Bon, après avoir fait un tour, le circuit est beaucoup plus simple, je pense, a priori, à vue d'œil, que celui qui était la dernière. Il est un peu moins pentu, légèrement. Par contre, il risque quand même d'être usant. Après, dans l'idée, c'est ce qu'il va te dire, c'est les participants. Il y a 5 étrangers, des Estoniens, des Belges, des Néerlandais. Bref, il y a beaucoup d'étrangers. Et il y a aussi beaucoup d'étrangers français, c'est-à-dire que c'est des mecs de d'autres régions que je connais pas. Et apparemment dans ceux-là, il y a le champion d'Europe d'il y a 15 jours, junior, enfin bref. Je pense que le niveau va être terriblement haut. Oh, il fait chaud mon pote. Et c'est parti pour la course de Beaurepaire. On était donc 80 au départ. D'ailleurs, le départ était un peu fastidieux. La voiture a eu du mal à démarrer, la voiture ouvreuse. Donc du coup, ça a été un petit peu le bazar. Mais bref, la course est partie super rapidement. Regardez, ça attaque directement. Donc autant vous dire que bah, ça met directement dans le bain. Surtout après 3 semaines sans avoir couru pour ma part. Donc là, l'idée, ça va être de 1. Bah, essayer de se placer dans la bonne échappée. Mais surtout, essayer de ne pas exploser. Parce que la course est quand même longue. Il y a 106 km à parcourir.
moi ça fait quand même longtemps que j'ai pas fait de course aussi longue. Donc là, il va falloir quand même s'accrocher parce que le circuit est très usant et il va falloir quand même... Je vais passer le début de ce premier tour dans la roue d'Alexandre parce qu'Alexandre était très attentif, il accompagnait un petit peu les coups. Donc pour le coup, mettre derrière lui, c'était une bonne chose, surtout que je sais que c'est un coureur qui est assez régulier, qui va pas faire des attaques très intenses, donc pour moi ça me correspond parfaitement. Bon, bien sûr, on va profiter de ce premier tour qui est donc forcément un peu plus simple pour discuter, pour se mettre d'accord un petit peu sur notre façon de courir, parce que même si on n'est pas dans le même club, aujourd'hui, c'est comme si on va courir ensemble, en fait, et on va essayer de s'entraider. On arrive dans une des parties les plus techniques du circuit. Il y avait un droite-gauche assez rapide. En fait, ça permettait comme ça... soit de perdre des places, soit de se replacer. En tout cas, ici, on est très très bien placé avec Alexandre. On peut voir que là, je repasse juste devant lui. Et là, à la sortie de ce virage, d'ailleurs, il y avait des graviers à droite, faudra faire attention pendant la course quand même. Bah, je décide d'accompagner parce que c'est en train d'attaquer à l'avant. Il y a 3-4 gars qui sont en train de sortir. Et au moment où j'attaque, vous pouvez voir, il y a un autre coureur qui attaque aussi, Timothée qui attaque. Et c'est un coureur qui est très bon. Donc en fait, je prends sa roue. Et là, il va complètement, heureusement d'ailleurs, me ramener sur le groupe d'échappée. Donc là, c'est une très très bonne chose, parce que là, on est en tout début de course. Et en fait, il y avait tellement de niveaux au départ de cette course. Il y avait du style 5 étrangers, enfin, de d'autres pays, la moitié du peloton de d'autres régions. On ne connaissait pas grand monde, en fait. Et il y avait vraiment, vraiment beaucoup de niveaux au départ de cette course. D'ailleurs, il me semble que là, le mec en deuxième position, c'est un des mecs qui va être sur le podium à la fin de la course. Donc bref. Là, je me suis dit, si je peux prendre un petit coup d'avance dès le premier tour, parce que là, ça laissait partir en fait une petite échappée, qui était considérée comme pas trop dangereuse a priori, même si d'ailleurs, ce coureur en jaune, il me semble aussi qu'il est sur le podium à la fin. Bref, là, on a une composition d'échappée qui est très, très intéressante. Donc moi, dans mon idée, c'était de prendre un coup d'avance, me prendre une petite échappée en début de course, et plus tard dans la course, quand les cadors de la course décideront de lancer, bah, je serai déjà devant avec un coup d'avance. C'était vraiment l'objectif. Malheureusement, a priori, c'est peut-être le fait que du coup, il y avait des très très bons coureurs dans ce petit groupe. Derrière, ça n'a pas laissé partir, ça n'a pas débranché. Et du coup, ils vont revenir sur nous et ça va rouler très très fort. Là, sincèrement, vous pouvez voir que je suis quand même assez haut au cœur, même si, bon, ça affiche 170, mais je me suis vraiment mis quand même pour m'accrocher ici dans les roues. Et d'ailleurs, un des coureurs qu'il manquait dans l'effectif de cette échappée, c'est Dylan Durand qui est juste devant moi ici. Et là, on passe la ligne, regardez, il prend un gros relais et là, je m'accroche. Parce qu'en fait, derrière, là, c'est en train de casser de partout, il n'y a plus grand monde derrière. Donc je sais que si j'arrive à m'accrocher avec Dylan et que potentiellement, il y a une cassure avec quelques coureurs, ça peut être très bon signe. Donc je me permets de prendre un relais, même si je suis déjà au-dessus de 190 et que pour moi, c'est énorme. Je prends un relais plus ou moins quand même en dedans. Surtout que là, je vais vite me rendre compte que derrière, c'est en train de revenir. Et que du coup, l'effort sert à rien. Donc là, on va voir que je me cale à la droite et je vais complètement me faire contrer. Ça, c'était évident. Donc là, ça attaque de partout. Et moi, du coup, ce que je vais décider de faire, parce que tout simplement, j'ai pas trop le choix, je suis un peu à bloc, c'est de me replacer un peu plus à l'arrière. Dans ma tête, ça allait sûrement casser en milieu de course l'échappée qui ira au bout. Donc là, je vais décider, maintenant que la carte du... partir un petit peu en facteur en début de course est complètement morte, on va se replacer à l'arrière et on va essayer de se protéger, de récupérer parce qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Et là, regardez, deuxième passage sur la ligne, il y a un petit groupe de quelques coureurs qui viennent de partir et ensuite il y a d'autres coureurs qui sont en train de sortir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que là où j'avais pris une plutôt belle échappée dans le premier tour, là où depuis le début de saison, ça sort dès le premier tour pour la gagne dans les courses par chez moi, et bah aujourd'hui, c'est pas sorti dans le premier tour, c'est sorti dans le deuxième tour. Alors forcément, moi j'étais plus capable, mais regardez déjà l'avance qu'ils ont. Le circuit fait que 5 km, hein, c'est pas si énorme que ça. Et là, on a le peloton qui est complètement en fumadienne. Là, de toute façon, on le voit très bien, ça roule très très vite. Là, franchement, ça faisait très mal aux jambes. Ça faisait très mal aux jambes, surtout pour moi qui avais fait le premier tour complètement à bloc à essayer de sortir. Au final, j'aurais dû garder mes forces et sortir dans le deuxième tour. Parce que finalement... une des échappées qui valait le plus long temps à l'avant, ça va être cette deuxième échappée, c'est celle-ci qui sort dans le deuxième tour. Donc là, on voit que je suis en bas de l'écran, donc je suis pas si mal placé, hein, mais c'est juste que je suis pas capable d'aller accompagner comme je l'ai fait dans le premier tour. Sincèrement, là, je reviens après 3 semaines sans courir. Forcément, les hautes intensités comme ça, bah c'est un peu dur pour moi. Donc là, faut que j'en garde un petit peu sous la pédale parce qu'il y a quand même 106 km à faire.
Et s'il explose dès le début, je ne serais pas capable de finir. Mais là, on voit vraiment avec l'intensité du peloton, tellement c'est à la fine indienne, je pense que c'est assez clair pour vous. Et on se rend vraiment compte que là, c'était très très dur. Et là, dans le troisième tour, regardez, il y a Alex. Enfin, je sais pas si vous avez remarqué, mais ça a tapé la roue arrière. Et au final, il y a sa selle qui est descendue et son gros plateau ne fonctionnait plus. Donc à partir de là, en fait, pour Alexandre, ça va être DNF. C'est-à-dire qu'il va essayer de suivre le peloton, mais sur le petit plateau, à la vitesse que ça roule, c'était impossible. Donc juste parce qu'il a tapé dans un trou, donc c'est vraiment pas de bol pour le coup, il va devoir abandonner la course au bout de deux tours parce que sur le petit plateau, c'était complètement injouable. Donc pour Alexandre, c'est déjà terminé aujourd'hui. Heureusement, il n'est pas venu pour rien parce que on va faire 3-4 courses cette semaine. Donc il y a d'autres chances et il y aura d'autres... Donc c'est parti remise, il y aura d'autres chances pour lui de faire un résultat. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, c'est fini. Et au fil des tours, de toute façon, on voit l'échappée se dessiner. Regardez, là, il y a un premier groupe qui est déjà bien bien dessiné. Un deuxième groupe qui est en train de se détacher du peloton. Et ensuite, enfin... le peloton dans lequel je figure, d'ailleurs je figure plutôt très mal placé, hein, pour le coup je suis plutôt en fin de peloton et ça c'est vraiment pas optimal, vous pouvez le voir là techniquement si ça attaque à l'avant je suis pas capable d'accompagner. Grâce au plan drone, on va pouvoir mieux se rendre compte de la distance qu'il y a entre les groupes. Déjà, il y a le premier groupe qui passe. Et là, comme vous pouvez voir, c'est un gros groupe. Maintenant, il y a 16 coureurs à l'avant. Sincèrement, ça va être compliqué de revenir sur eux. Surtout que là, il y a quasiment 20-30 secondes entre les deux groupes. Et ensuite, à l'arrière, comme vous pouvez voir, il y a des coureurs qui attaquent de partout. Franchement, ça a été une course usante, une course d'usure où ça a explosé tout au long de la course. Ça a attaqué constamment. Il y avait des groupes par-ci, des groupes par-là. À la fin, il y en avait partout. Et là, du coup, enfin, le peloton arrive. Et du coup, moi, je suis à peu près ici, en bas de l'écran. Donc, voilà. Je reste dans le peloton principal. Hein. C'est pas si mal. Mais c'est juste qu'à l'avant, ça a été une tuerie. Ça a explosé constamment de partout. Et c'est une course où, à la base, on était 80. Et sincèrement, on a dû finir à 50 ou 60. Ça a fait que d'exploser. Et regardez. Tout simplement dans les relances, on est complètement encore en file indienne, ça prouve encore l'intensité de cette course. Et à force d'être mal placé, il y a un moment dans la course, là, au bout de 8 tours, où je prends une giga cassure. Le peloton se coupe en deux, et là, je me retrouve dans le tout dernier peloton. La course était complètement morte. Et heureusement, ce coureur numéro 56, là, il va se mettre devant. Enfin, il va attaquer. Je vais prendre sa roue, et il va me ramener sur le premier peloton. Donc là où ma course était complètement bâchée si je restais dans le deuxième peloton, ce coureur va me permettre de rentrer parce que moi j'en étais pas capable, hein, sincèrement je pense pas que j'en étais capable, d'autant plus que j'ai essayé de m'économiser un maximum pour réussir à finir la course parce que là on a fait que 26 km, hein, c'est pas beaucoup par rapport aux 106 à parcourir, donc je savais que si je faisais ce genre d'effort, ça aurait été impossible pour moi de finir la course, donc là ce coureur me permet de rentrer sur le premier peloton et de nouveau jouer une place raisonnable parce qu'il y a toujours une échappée avec des groupes de contre. Mais là, si j'étais même plus dans le peloton principal, ça aurait été une catastrophe. Bon là, on remet les pendules à l'heure, je suis bien placé, ça m'a fait un gros rappel à me dire « Bon Quentin, t'arrêtes de faire n'importe quoi, t'arrêtes d'être mal placé, tu te replaces immédiatement à l'avant. » D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dès que j'ai l'occasion, je me replace le plus possible à l'avant du groupe parce que je ne veux plus prendre de cassure aussi bête que celle-ci.
Et dans la troisième partie de la course, je commençais à aller un petit peu mieux parce que forcément, là, j'avais récupéré de le début de course qui était très très intense. Et là, du coup, je demande, voilà, ils sont combien à l'avant? Parce que j'en avais absolument aucune idée. Il y avait tellement de groupes qui avaient attaqué. Regardez, il y a encore une cassure ici. Le peloton dans lequel je suis, c'est derrière, c'est le prochain. Il y en a tellement partout que je ne savais pas combien de coureurs il y avait réellement à l'avant. Et là, du coup, je vais apprendre qu'il y a 16 coureurs en échappée. Et à 30 km de l'arrivée, environ 6 tours de l'arrivée, il y a une prime pour le peloton. Donc là, on voit que je suis très très bien placé. Je comptais faire la prime parce que il y a toujours, c'est toujours 10 euros de gagné. Mais malheureusement, Paul, là, qui est juste devant moi, est beaucoup plus fort que moi. Hein. Je ne vais pas être capable de le passer. On voit que je me mets pas minable. Hein. Je suis à, quand même 196 en fait, si. Mais on voit qu'il est largement plus fort que moi. Hein. Il prend la prime. Il y avait une seule prime. Donc malheureusement, je fais deuxième de cette prime. Donc dommage, j'ai pas gagné les 10 euros. Mais par contre, je vais me rendre compte que derrière, il n'y a plus personne. Donc là, pour l'instant, regardez, là, j'ai complètement arrêté de pédaler. Et j'attends le peloton parce qu'en fait, je voulais juste faire la prime. Hein, je voulais pas attaquer ou me retrouver tout seul. Et là, je vais revenir sur Paul et là, je vais me dire, en fait, il reste 5 tours à parcourir, 6 tours à parcourir. On n'a rien à perdre. Autant s'entraîner à faire un effort maximal. Donc là, je vais dire à Paul, vas-y mec, viens, on sort et on tente de partir en échappée, tout simplement, enfin en contre. Et du coup, je suis à 190 ici au moment où je décide de commencer mon effort. Et Paul, du coup, n'essaye pas de me suivre. Il essaye pas de me suivre parce que, en vrai, il n'y avait pas beaucoup d'intérêt à part se cramer la tronche. Mais moi, c'était exactement mon objectif parce que, je reviens à la compétition après 3 semaines sans entraînement, après 3 semaines sans compétition. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de réadapter mon corps à des efforts maximales. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je me retrouve seul en contre et il me reste 5 tours à parcourir encore. Bon, au début, je vais essayer de limiter la casse en montant pas à 100% de mes capacités, mais en me mettant à 90 pour pouvoir tenir longtemps, parce que 5 tours, c'est long. Ça représente à peu près 30 km quand même. Donc là, l'objectif, ça va être de gérer mon effort, mais en haut de cette côte faux plat montant vent de face, j'explose un peu. Donc là, on voit que j'ai ralenti. En fait, j'attends le peloton en me disant, j'abandonne, c'est trop dur, en fait, il y a trop de vent et je suis pas capable, j'ai pas le niveau, je me serais testé, je suis pas capable. C'est pas grave. Et là, il y a un coureur qui me rattrape et me dit « Hop, Quentin, viens avec moi. » Alors, le peloton, du coup, n'est pas encore rentré et on a toujours pas mal d'avance. Et du coup, je me retrouve avec un autre coureur. Et là, je me dis « Bon, en finale... » Et là, je me dis « Bon, au final, on est deux. Là où je voulais faire un effort maximal, maintenant, si jamais je suis à bloc, le mec va pouvoir prendre les relais. D'ailleurs, il va prendre, franchement, 80% des relais parce que il était beaucoup plus fort que moi, hein, sincèrement, faut le dire. » Et au final, on va faire un beau bout de chemin à deux parce qu'on va faire pratiquement 4-5 tours ensemble, histoire de réussir à essayer d'aller chercher une place d'honneur parce qu'en vrai, là, je sais pas combien de coureurs sont à l'avant, il y a tellement de groupes de contre, il y a tellement de coureurs éparpillés au sein de ce circuit que là, on ne sait pas du tout quelle place on joue, mais on sait tous les deux que concrètement, ça sert pas à grand-chose, uniquement pour s'entraîner et c'est exactement le but recherché aujourd'hui. Et après de très nombreux kilomètres à deux, avec un effort quand même très très intense, hein, franchement ça a été très dur pour moi, j'ai vraiment serré les dents. Là il nous restait 2 tours à parcourir, c'est pas beaucoup, hein, il restait 10 bornes à faire. Et là il y avait une prime sur la ligne. Du coup avec mon collègue là on s'était dit, vas-y on va faire la prime quoi, le peloton il est loin derrière. Et en fait dans ce tour là, vu qu'il y avait une prime, les coureurs du peloton ils ont roulé très très fort. Au point qu'ils nous ont rattrapés en seulement... On est passé d'avoir beaucoup d'avance à... ils sont venus sur nous en fait. Et regardez, paf, ils nous attaquent direct pour faire la prime. Donc malheureusement, on n'aura pas l'argent non plus ici. Donc on aura fait 4 tours à bloc sans aucune prime, sans rien. Malheureusement, c'est le jeu. Mais du coup, maintenant, on est dans le peloton. Il nous reste 2 tours à parcourir, les amis. Et là, ça va être très,
très dur pour moi, parce que moi j'avais tout donné dans l'optique de toute façon finir la course. Hein. Là je prends un petit bidon parce que il fait chaud, hein, mine de rien, il a fait très chaud. Je pense que j'ai pris 4 ou 5 bidons pendant la course. Il a fait particulièrement chaud aujourd'hui, donc les efforts sont encore plus difficiles pour le corps. Mais à partir de là, en fait, il me reste 2 tours à parcourir et dans ma tête, je m'étais dit, je vais jamais réussir à finir. Parce que j'étais rincé, j'avais tout donné dans cet effort solitaire à deux là. Et du coup, je savais pas comment j'allais m'y prendre pour réussir à finir cette course, même si j'étais dans les roues du peloton. Du coup, je vais passer ces 2 tours complètement à bloc, à prendre quasiment des petites cassures dès que c'était un petit peu difficile. Regardez, je prends des écarts et j'ai vraiment fait ce que je peux. Et je me suis débattu avec le vélo parce que je voulais absolument finir cette course pour moi, pour vous, pour ma reprise, pour les vidéos, pour Alexandre. Bref, je voulais absolument finir cette course. Alors là, il n'y a plus trop de place à jouer, hein, mais je voulais absolument pas abandonner. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais tout donner et je vais réussir à finir. Et pourtant ça n'a pas été facile à 1,5 tour de l'arrivée parce qu'il y avait 28 tours, pas 27 comme affiché à l'écran. Regardez, là j'explose et là sincèrement c'est un moment où je me dis c'est fini, c'est mort. Et là il y a Enzo qui me passe, il me fait allez Quentin prends ma roue et regardez la différence. Mon cœur bon remonte très très vite forcément parce que moi j'avais surtout lâché au moral je pense à ce moment là. Mon corps ne pouvait plus mais le moral ne suivait pas et malheureusement quand t'as pas le moral c'est fini. Et du coup... là, Enzo m'a reboosté, et à partir du moment où t'as un mec qui te ramène comme ça dans le peloton, en fait, t'as l'impression de lui devoir quelque chose, entre guillemets. Et du coup, j'avais l'impression de devoir être reconnaissant envers lui, et j'avais pas le droit d'abandonner, il nous reste 1 tour et 500 mètres à parcourir, là. Donc, je me suis dit, Quentin, t'abandonnes pas, tu finis. Et sincèrement, bon, il n'y a pas les images du dernier tour, vous aurez les points de vue extérieur du sprint, mais il n'y a pas l'image du dernier tour, j'avais plus de batterie dans la GoPro. Et dans le dernier tour, il y en a un autre qui est venu me pousser à un moment parce que j'ai explosé encore une deuxième fois. Et il y en a un autre qui m'a poussé. Et tout ça a fait que grâce à eux, grâce à cette motivation supplémentaire, grâce à vous, j'ai réussi à finir cette course qui a été terriblement dure parce que c'était un circuit particulièrement usant. Hein. Pour le coup, ça a été le cas pour tout le monde. Donc forcément, pour moi qui reprenais les compétitions seulement, ça a été dur. Mais je suis très fier de pouvoir vous dire que du coup j'ai réussi à finir cette course et j'ai même été faire le sprint. Bon, avant on va regarder l'arrivée des premiers coureurs, regardez le mec, je peux vous dire que quand il m'a mis un tour celui-là il roulait tellement vite mais les mecs sont vraiment au-dessus du lot, ils étaient carrément super forts. Donc là les coureurs arrivent vraiment un par un. De toute manière je crois que les 40 premières places ça arrive quasiment à l'unité comme ça, c'était un désastre, c'était vraiment une hécatombe. Peut-être la 40e place, je sais pas. Rappelle, ils étaient 84 à prendre le départ. Mais on peut tous les applaudir, ils terminent cette épreuve, donc coup de chapeau à tout le monde. Hein. Au final, vu que j'avais quasiment des crampes, j'ai pas pu faire un sprint debout sur mes pédales, mais à 500 mètres de la ligne, j'ai appuyé et je me suis retrouvé premier du peloton. Et au final, voilà, je fais 5-6 du groupe. Mais c'est symbolique, au moins j'aurais tout donné jusqu'à la ligne. T'es avec quoi toi du coup? Il est prêt à tout dans la descente là-bas. Ouais. Et j'ai eu 2 choses en même temps. La selle qui s'est pliée comme ça à l'intérieur. Ah non. Et plus moyen de mettre le grand plateau. Donc j'étais petit plateau. Ah bah sur le circuit c'est mort. Et impossible, impossible. Donc là j'ai essayé de le remettre mais il frotte toujours. Tu vois, il frotte le dérailleur avant. Donc demain j'en regarderai. Ouais, c'est une partie remise. Mais putain. C'était dur, hein, franchement. En gros, les 2 derniers tours, enfin. L'avant-dernier tour, puis l'avant-dernier tour, parce que c'est con, ils sont jusqu'à un tour. Enfin, normalement, ils enlèvent. Je suis sûr que c'est dans le règlement qu'ils enlèvent. Et là, ils ont pas enlevé. Mais derrière, il y a des mecs qui s'y sont arrêtés. Ouais, normal, genre, ils voulaient faire pareil en fait. À 2 tours de la fin, je vais faire prendre là. J'étais complètement à bloc, je me suis mis minable en fait, dans le but de m'entraîner, tu vois. Ouais. Je me fais prendre, j'agonise, et il y a 2-3 gars là qui me poussent pour que je tienne. Je me dis, allez, je m'accroche. Et là, ils disent un tour de plus, et là, je fais, oh putain. Du coup là je me suis mis là et tu vois je fais le sprint à bloc pour m'entraîner mais enfin tu vois je fais un sprint assis et comme je pouvais hein. Mais... Caraf, tu m'étonnes, et puis il a fait chaud hein. Maintenant, dernière donc. C'est bien putain, franchement chapeau. Bah, non, je fais rien. Ouais, mais... En gros l'échappé, toi ils nous mettent un tour, quand ils passent, je me dis, c'était même pas la peine, ils sont beaucoup trop forts. Et le groupe de compte ça me fait chier, je pense que j'avais les jambes. Enfin pas à la fin, mais au. C'est explosé de partout. Hein. Ouais, mais il y a 10 groupes. Hein. C'est ce que je te dis. Je pense que j'aurais dû être dans le groupe de contre et faire partie de ceux qui explosent, tu vois. Ouais. Mais genre, j'avais les jambes pour être dans le groupe de contre. En fait, t'avais 20 gars quasiment devant. Ils ont explosé.
se sont fait reprendre. Et puis derrière, t'as genre. T'as un gars tout seul, puis t'en as deux, puis t'en as cinq. Puis, et entre le premier et la fin du top 10, t'as genre 3 minutes. C'est les 14. Il y en a genre 40 devant moi. Ah bah tu dois faire 50, 55. Ouais, bah c'était pour s'entraîner. Hein. Après, c'est la mise en bouche quoi. Ça ira mieux mercredi quoi. Mais vu qu'il a fait de la pub pour la course de mercredi, on aura les mêmes, on pourra se venger. Et puis je te voyais assis sur la chaise là, je me dis l'enfoiré, il va être frais mercredi lui. Ouais, moi je vais être frais, mais j'ai le seum parce qu'en vrai j'aimais bien le circuit. Bah ouais, ça roulait bien. Et à un moment je me disais tiens, ça va quoi, l'allure ça allait je trouvais. Et puis à un moment ça a réaccéléré et là je pouvais plus suivre, impossible. Allez, ouais, les gens ils me disent ah ça va, c'est enfin la récompense. Ah, j'ai pas fait top 10 pour toi. Bah oui, mais. Du coup, c'est une récompense. Ça vaut un top 10. Hein. Ça vaut tout le niveau. Voilà. Merci. Et il y a un des mecs, un des favoris. Il a... Ah, je me suis mis quand même minable. J'ai fait un sprint honorable pour un manchot, quoi. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous ai dit, c'est la première d'une série. On va faire 4 courses ensemble qui vous réservent plein de surprises et de bons résultats. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. N'oubliez pas d'exploser les pouces bleus si le concept vous plaît. Et en attendant, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.